Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau Let's Play sur Detective Crime Thriller Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. The Devil's Daughter, même plus précisément. Et avant de se commencer l'aventure, je voulais vous montrer le menu de personnalisation de l'audio qui était vraiment hyper détaillé. Je trouve ça hyper cool qu'il fasse. J'ai d'ailleurs baissé un petit peu la musique, c'est un peu fort. Je trouve ça tellement cool qu'il fasse vraiment la différenciation principale, voix, musique, bruitage et ambiance. Je sais pas trop la différence entre bruitage et bruit d'ambiance, mais on verra une fois dans le jeu, vous me direz ce qu'il faut régler. En attendant, on se lance une nouvelle partie. Alors, fin limier ou détective expert? Expérimenter la vie tépidante du détective célèbre. Mettez vos capacités de déduction à rude épreuve. Vous pouvez toujours changer de niveau. Bah, on va prendre la difficulté expert. Hein. On s'en fout, nous, on est des génies un petit peu. Il n'y a pas de souci là-dessus. Aucun souci pour moi. Veuillez m'excuser, je vous dérange? Non, je vous en prie. Entrez, madame... Miss Alice de Bouvier. Je suis la nouvelle voisine de Monsieur Holmes. Oh, je n'ai pas eu le plaisir de... Je suis le docteur John Watson. En quoi pouvons-nous vous aider? Oh, ce n'est pas elle le problème, Watson. Je... Alors, de quoi s'agit-il? Oh, cet enfant... qui renifle derrière elle. Débarrassez-vous-en, Watson. Mais il tremble de froid. Et il est contrarié. Que lui est-il arrivé? Le jeune Tom a frappé à la mauvaise porte. Oh, bon sang. Pauvre garçon, viens te réchauffer près du feu. Puis-je vous offrir une tasse de thé, Miss de Bouvier? Eh bien, je... Nous ne risquons pas de déranger... Vous savez qui, n'est-ce pas? Je suppose que non. Puisque vous êtes notre nouvelle voisine, il vaut mieux que vous appreniez à le connaître. Vous commencez à m'inquiéter. Voyez-vous, Monsieur Holmes est en pleine crise. Il est littéralement malade de ne rien avoir à faire. Il devient alors totalement asocial. J'ai tout essayé. C'est un cas pathologique incurable. Mais tout cela doit rester entre nous. Bien sûr, je comprends. Comme c'est triste. Il existe cependant un remède, mais seulement temporaire. Une bonne enquête. Il est probable que s'il refuse celle qui se présente, son état ne fera qu'empirer. Je suis là, vous savez. Je ne me suis pas envolé par la fenêtre. D'accord, d'accord. Merci, miss. Ok, donc petite remarque sur les cinématiques que j'avais remarqué sur un jeu typiquement début de PS4, c'était Thief. C'est que les cinématiques sont approximativement à moins de 24 frames par seconde. C'est un petit peu dégueulasse, donc je vous invite à mettre en accéléré, pourquoi pas, pendant les cinématiques pour avoir un semblant de fluidité. Et ce qui est cool, c'est que les visages pour le coup sont très bien faits, même pour un jeu qui date un petit peu. En revanche, c'est vrai que c'est les environnements, par exemple l'herbe qu'on voyait dans la cinématique où Sherlock était pourchassé, c'était pas très beau. Et puis bon, ma console souffle beaucoup,
Pas autant que pour The Last of Us partie 2, mais ça souffle pas mal, ouais. Alors, établissez le portrait de la personne en prêtant attention aux détails qui déterminent leur signe. Ok. Donc là, je fais quoi? Les yeux rouges. Chagrin. Oula! Putain, c'est chronométré. Bah, c'est tout ce qu'il y avait, non? Là. Il y a un petit truc. Putain, je savais pas que j'étais chronométré, moi. Là, vite. Ah, mais c'est hyper dur, en fait. J'aurais peut-être pas dû mettre en difficile, remarque. Est-ce que je peux déplacer? Avancer? J'ai plus de temps. J'ai plus le temps, hein. Surtout le temps que l'information arrive à l'écran. Il me manque un truc. Je l'ai pas. Portrait médiocre. Il me manquait une info. D'accord. Donc on me crache la gueule. Tom a 8 ans. Ses vêtements sont usés mais rapiécés avec soin. Les parents de Tom se soucient de son bien-être et de son éducation. Sa pâleur indique qu'il souffre de malnutrition. Ouais. Alors mon garçon, dis-moi ce qui t'amène. C'est mon père, monsieur. Il a disparu. Je suis perdu, vous savez. Je sais pas quoi faire. Bah, comme ton jeu d'acteur. Son nom. Disparu, que s'est-il passé? Disparu? Et qu'en dit la police? La police? Ils veulent pas me croire. Ils disent qu'il m'a abandonné. Mais c'est pas vrai. Je sais pas pourquoi j'avais l'option objecter. Comment s'appelle-t-il? George Hurst, monsieur. Quand l'as-tu vu pour la dernière fois? C'était il y a 3 semaines. Il est parti travailler, mais il allait pas bien. Il était bizarre, et il était en colère. Bizarre? Comment ça? Il m'a dit, fiston, je pars pour un travail spécial. Toi, t'as pas intérêt à bouger d'ici. Il a dû lui arriver quelque chose. 3 semaines? 3 semaines? C'est long. Tous les jours? J'espérais, je m'attendais à le voir arriver. De toute façon, je sais me débrouiller seul. Comment? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Rien. Je réfléchissais. J'ai pas compris. Je comprends pas ce truc d'objectif. Très bien. Ton adresse, Tom? 12 Dorset Street, premier étage, porte E. C'est à Whitechapel, monsieur. Mais j'ai pas d'argent pour... Qui a parlé d'argent, Tom? Ton affaire est le remède qu'il me fallait. Je te retrouve là-bas. Oh, merci, monsieur. Ah, c'est cool. On peut courir. Faites voir un peu. Oui, mais comment je sais où je vais, là? Je peux juste faire un déplacement rapide. Tant mieux. Ces rues sont trop étroites pour le fiacre. Je vais devoir marcher. Ok, donc on est, je pense, arrivé. Ce qui est assez regrettable, on va dire, c'est que... Bon, je teste un peu tout. Votre don d'imagination vous permet de visualiser des objets manquants et des événements passés ou futurs dans certaines situations seulement. Ok. Observez attentivement pour trouver des détails remarquables que les autres ne savent pas voir. Pour l'instant, on n'a rien. C'est quoi ça? Ok, revenir à la vision normale. Oui, ce qui est dommage, c'est les temps de chargement qui sont pas mal longs. North Street. Et si je fais ça ici? Non. Et à droite? En fait, là, je touche le pad numérique. Le pad tactile, pardon. Ça me sert pas à grand chose. J'essaie de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. D'accord, ici. Dorset Street. Donc le 12, c'est la porte suivante. Ça doit être ici. 15? Ah, moi c'était là. Tiens, tiens, tiens. Je sais pas si je dois tracer, tracer. Non, en fait c'est premier étage. À moins qu'il compte le rez-de-chaussée comme premier.
Ok. Voilà. C'est là qu'on habite, monsieur. Oui. Logement de... Ah, d'accord. Je pourrais faire un déplacement rapide. D'accord. Ça, c'est ma vision quand je vais sur la gauche et sur la droite. Rien. Les réserves s'amenuisent. Cela fait déjà 3 semaines que George Hurst a disparu. Ah, vous avez ça à manger pour 3 semaines? Compliqué, surtout avec un enfant. Faites voir un peu. Ma mère, monsieur. Elle est morte quand j'étais petit. Mon père m'a parlé d'elle, mais c'est tout ce que j'ai d'elle. Je suis désolé, Tom. Ma mère a disparu quand j'étais très jeune, moi aussi. Il y avait des objets ici. Ok. Je sais pas comment activer ces trucs là. J'aimerais comprendre, hein. Je suis désolé si ça met un peu de temps. Je pense que dans l'épisode suivant ce sera un peu plus fluide une fois que j'aurai bien cerné tout le truc. Hurst a payé ses factures en avance, ce qui a permis à Tom d'être à l'abri du besoin. Donc il avait vraiment prévu de partir longtemps. Preuve, d'après Zekito, c'est certes. Le toit fuit tout le temps. C'est mon père qui le réparait. Eh oui. Et du coup, il est plus là, donc ça fuit à nouveau. La bougie. Tom doit lire le soir. Tiens, tiens. Tom doit lire le soir. D'accord. The Strain Magazine. Ok, ça m'apporte rien. Ah, si. Ah, voilà pourquoi tu es venu me voir. J'ai marqué l'ananas, vous serviront plus tard dans votre enquête. Ok. S'il vous plaît, monsieur, retrouvez mon père. Enfin, c'est compliqué. T'arrives comme ça chez moi. Un lot de vieux livres d'occasion. George Hurst essayait de donner à son fils la meilleure éducation possible. C'est mon père qui m'a acheté tous ces livres. Il me l'a pas dit, mais je sais qu'il a mis son manteau au clou pour ça. On préparait une soupe paysanne. Mmh. Un plat astucieux pour quelqu'un sans compétences culinaires. Très bien. Ça ne m'apporte pas grand-chose. J'ai vu qu'il y avait l'échelle. Hein. Ne vous inquiétez pas. J'essaie juste de fouiller pièce par pièce, méthodiquement. Ici, j'ai un truc. Je sais pas pourquoi ça s'est activé. Placer, tourner. D'accord, c'est pas très propre. Le pub The Old Tabard sur North Street. D'accord, en plus on est passé devant et il a dit qu'il avait pas soif. Mais on devra faire une petite visite. Pas plus tard que tout à l'heure. Qu'est-ce que. On ne voit rien. Il fait trop sombre, je ne vois rien. Il y a une bougie là-bas. S'il vous plaît, monsieur, retrouvez. Est-ce qu'on peut utiliser ta bougie? Nickel. Hop, attention. Tac. Ça va, c'est assez intuitif, fil à main. Et si je vais là? Bien joué. Ça fait un peu point and click, mais. C'est ça. Une sacoche en cuir? Que contient-elle? Bonne question. Ah, c'est bien fait hein, quand même. Un ticket de train. Bonjour George, je sais que vous avez du mal à trouver du travail et que votre fils a besoin de nourriture et de vêtements. Je joins à cette lettre le prospectus d'un pub. Il paraît que là-bas, un gars propose un travail spécial. Peut-être que cela vous aidera. Je l'espère. Bonne chance. Pas l'impression que cette lettre soit signée. On a un petit truc ici. Pardon. Quelques vieilleries, c'est tout. D'accord, on s'en va. J'ai pas eu le choix. Hein. D'accord. Je reviens. Hein. J'espère que vous trouverez mon père. Bah de toute façon, tu sais dire que ça, toi.
cette porte rouge, à mon avis. Je n'attends personne. Jonathan personne. Non, je ne le connais pas, ce Jonathan. Ici, on a essayé. Mais c'est le pub, moi, qui m'intéresse. Peut-être qu'il faut voir le nom avant. Le Tabard. Non, et là, avec le truc de droite. Non plus. Je n'ai pas soif pour l'instant. Mais on te demande pas si tu as soif. Enfin, il faut relire les indices. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on peut y faire? Fouiller le logement, ça s'est fait, et enquêter sur la disparition. J'ai peut-être oublié quelque chose dans le logement, remarque. Oui, bah c'est pour la lettre, mais on l'a vu la lettre. Attends. Located, nanana. Best choice of beer and alcohol in Whitechapel. Oui, certes. De la colle. On a dû l'arracher d'un mur. Sérieux? C'est tout ce qui me manquait? Il était là, lui, tout à l'heure? Non. Hein. Bonjour, monsieur Holmes. Tiens, le jeune Wiggins. Tu as trouvé un travail, à ce que je vois. Si on veut. Je déteste ça. Mais si vous avez un vrai travail pour moi... J'aurai peut-être besoin de toi plus tard. Attends-moi là. Bon, en vrai, c'est stylé, hein, de... À votre service, des petits journaux, là, c'est... Hein. Oh. C'est stylé, moi, j'aime bien. Tiens, allons-y. T'as soif, maintenant, hein. Je vais tendre l'oreille pour découvrir qui propose ce travail spécial. Bon, bah, clairement, ça va être des mecs chelous, ça. Ils vont vouloir se battre. Ah, j'aime bien ce petit effet, là, sur... Pas de loi sur le travail des enfants. Les petits vont à l'école au lieu d'aller à la... Merde, pardon. Je ne peux écouter personne d'ici. Oh, on va faire un petit jeu de cartes. Oh, c'est dur. J'ai même pas le temps de lire les instructions. Non, non, non. Le gars qui recrute pour le travail spécial, il boit jamais d'alcool. D'accord. Pas mal de mouches. Tiens, l'affiche était ici. Ah non. Comment c'est dur ! Égalité pour la classe ouvrière. Je suis content d'être mon propre patron. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Ou à Watson. Certes. Toi, tu dis quelque chose. Toi. Le gars qui propose ce travail spécial, il a une sacrée paire de rouflaquettes. Très bien, il ne boit pas d'alcool et il a des rouflaquettes. Si, l'homme que je cherche a des rouflaquettes. Et ne bois jamais d'alcool. T'as des rouflaquettes, toi? Non. Et toi? Ça, après, tout dépend de ce qu'on appelle rouflaquettes. La grogne, c'est contagieux. Faites voir. Barbe. Rouflaquette. Très bien. Attention, c'est un couteau. Non, il boit de l'alcool. Pierre? Ah, c'est pas lui. Ce n'est pas lui. Tiens, toi. Hop. Et là, tu veux bien. Fais voir, toi. La barbe. C'est des rouflaquettes, ça. Tu as une oreille vraiment bizarre. Il boit de l'eau. Ouais.
C'est sans doute l'homme que je recherche. Surveiller. Maintenir pour accélérer. Ah, là, 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 là. Il a des soucis. On a vu dès que quelqu'un va s'asseoir à sa table. Intéressant, un avis de recherche. Je vais essayer d'en savoir plus. Début octobre, monsieur John Stobridge a disparu à Dorset Street, dans des circonstances mystérieuses. Si vous avez des informations, merci de contacter madame Stobridge au 5 Dorset Street. Oui, Dorset Street. Toute aide ou information sera la bienvenue, j'imagine. Tu vois ce monsieur ? J'ai besoin que tu le suives et que tu me rapportes tous ses faits et gestes. D'accord, monsieur Holmes. D'accord, il fallait juste que j'avance. Ils me laisseront pas passer. Faut que je passe ailleurs. Parce que ça se passait à l'ombre aussi. Ah, les gars de la bande des cogneurs. Mieux vaut pas les croiser. Oh non, la bande des cogneurs. Comment je vais faire? Je pourrais continuer la poursuite en grimpant par la cheminée, mais c'est dangereux. Ouais, ou bien... Prends une brosse et au boulot. Non. Non quoi? Ah ok, je croyais que c'était le mon personnage qui disait non, genre... Mais tu viens de me donner l'astuce, pourquoi tu... Oh là. Qu'est-ce que... Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Dans quoi je me suis lancé? Ah, c'est un peu toxique, hein. Enfin, tu me diras, je sais pas comment il y a de la fumée alors que le feu est éteint. Mais au moins c'est stylé, bon. Ça casse pas des briques, mais c'est amusant. On va être limite, hein. Je sais pas si je peux courir. Allez! Dépêche-toi, Bobby! On va mourir. Le truc, c'est que je savais pas qu'il fallait grimper directement. Ok. We are doing well. Even if we are dying. Ah, il est encore là. Et moi, je suis où? D'accord. Ça devient long comme phase, non? D'autant plus si ensuite il faut que je revienne avec Sherlock.
C'est Jim le serreur de Chamber Street. Il est muet parce que son beau-père le tape quand il est sous. Je ne pourrais pas lui poser de questions du coup. Hé, hey, Jim, tu me prêtes ton matériel? Je suis en mission secrète pour Monsieur Holmes. Ah si, au moins il répond, c'est cool. Ils sont malins, n'empêche, les gosses. Hein. Oh non, on va faire un mini-jeu cirage de pompe. Oui. Reposer. Plus vite. Mais je sais pas, moi, comment on fait. Hop. Ça, j'imagine. Ensuite ça. Un simple Qu'est-ce intuition. Que tu fabriques ? Je sais Désolé, pas, monsieur. Je débute. Ok, je suis malin. Ce qui est marrant, c'est que le mec se rend pas compte que je suis en train de le poursuivre en fait. Moi je me fais suivre dans la rue comme ça, je suis en mode ok, bah je te vois en fait. Intéressant. Qu'est-ce que c'est que cette maison? Tiens, on dirait la maison de... Je sais plus. Je sais plus, je voulais sortir une référence, mais le personnage dans Tabou, c'est quoi déjà? C'est John quelque chose? C'est fermé. Ouais. C'est fermé. Putain. C'est John machin. Ou Joe. Enfin, le personnage de Tom Hardy. Parce que j'ai revu la série il y a pas longtemps. Ça me fait penser à sa maison. Y'a que deux personnes qui vivent ici? J'aimerais bien en être, moi. Des sacs de nourriture? Elle me plaît, cette maison. Oui. Certes. Ravinez, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai pas envie d'ouvrir la porte, ça va me faire griller. Très bien. Mazette, ça en fait des trucs chers. Un blason, ça pourrait aider Monsieur Holmes. Je vais le dessiner. N'hésite pas. Bon, je vais faire mon rapport à Monsieur Holmes. Faut filer d'ici avant de me faire choper. Est-ce que je peux passer potentiellement par le même endroit? J'imagine que oui. S'il y a cette petite icône là. Rabinet, qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis désolé, hein, ça va me rester dans la tête. So sorry for that. Le rapport de Wiggins était intrigant. Que pensez-vous de sa trouvaille, Holmes? Ok, désolé, le chargement était tellement long que je suis retourné sur mon portable quelques secondes. Tiens, on est de retour à Baker Street. Oui, Wiggins a bien travaillé. J'aimerais analyser ce petit blason là, recopier. On peut pas le mettre en plus grand. Deux tigres, deux colombes, trois croix et une colombe et une fleur on the top. Holmes, nous devons aider le pauvre Tom. Ben je sais, qu'est-ce que je fais là, à ton avis? À mon avis, on peut utiliser les archives. Ma table d'analyse, elle me sert pour mon travail. Voir si on n'a pas déjà croisé ce blason, tu vois. Ah bah, je suis génial. Alors, économie, urbaine, rurale. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Ouais. Merde, oh non. Putain, je voulais juste faire un retour en arrière. Arrière architecture. Histoire. Médecine. Premier secours. Non, comment je reviens? Oula.
Ce n'est pas ce qu'il me faut. Je sais pas ce que je cherche. Ah putain, il y avait un autre onglet. Chimie, poisson, blessure, marque et symbole. Je suis vraiment si bête que ça. Et voilà. Mais non. Alors cet homme serait Lord Marsh. Un lord qui s'encanaille au pub. Allons rendre visite à Lord Marsh. Nous ferons semblant de nous intéresser à ses bonnes œuvres. En fait, j'avais carrément zappé de regarder tout l'écran. Mais ça, c'est typique, hein. Monsieur Holmes, vous avez de la visite. Oh, eh bien, dites-lui d'attendre. Je crains que ce ne soit impossible. Cette jeune fille est, comment vous dire, particulièrement impatiente. Pardon ? Papa ! Kathleen ! Le pensionnat de Miss Kathleen a été inondé. Toutes les élèves ont été renvoyées chez elles. Comme si ça ne sentait pas déjà le moisi. Ma parole ! Comment as-tu pu grandir si vite ? Tu es la bienvenue. On va te trouver une petite place. Holmes, je lui donne ma chambre, bien sûr. Qu'est-ce que tu en dis, Kate ? Vous êtes sur une nouvelle enquête ? Dites-moi, dites-moi ! Une belle dame victime d'un horrible maître chanteur ? Une histoire d'amour entre un prince et une suffragette ? Comment as-tu deviné ? Vous me raconterez, hein, papa ? Tu vas rendre Watson jaloux ? D'accord. Bonne chance. Je vais m'installer. Vous pouvez m'aider, Madame Hudson ? Vous pouvez m'aider ? À quoi ? Je me suis dit ça peut être rigolo de choisir ce truc. Oh là là, c'est compliqué. Rendre visite au Lord... Ok. Il est où ? À la maison de marche. Non mais des fois je suis un peu débile. Hein. D'accord, et ça... Ouais. Ok, bah on va à la maison de marche. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de me taper toute la ville. Fort heureusement. Holmes, au sujet de Kathleen. Oui ? Elle a bien grandi. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de lui dire ? Lui dire quoi, Watson ? Eh bien, pour son père. Jamais. Il n'en est pas question, vous m'entendez ? Holmes, vous êtes responsable de la mort de son père. Vous lui devez la vérité. Elle est assez grande. Je la perdrai. Vous ne comprenez pas ? Elle ne doit jamais savoir, Watson, c'est clair ? Holmes... Watson, elle ne doit pas savoir. Je me disais bien que Holmes avec un enfant, c'était étrange. Je suis désolé, je mange un petit bout de quelque chose. Je fais des trucs pendant les temps de chargement. Hein. Entrez, je vous prie. Bonjour, messieurs. Soyez les bienvenus. Que puis-je faire pour vous ? Bonjour, Lord Marsh. Mon nom est Sherlock Holmes. Et voici mon collègue et ami, le Dr Watson. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'analyser ? Ça va être chronométré encore ? Manque de sommeil, très bien. Sa main... Ok, chevalier en or. Mais il y a tellement de trucs. Il est malade. D'accord. Il boit du thé. Mais le chrono est trop dur. Il y avait ça, il me semble, dans le truc. Médecin, est-ce que j'ai tout ? Portrait imprécis. Bah, il a l'air malade. C'est difficile, ce jeu. Je vous dérange. J'espère que nous ne vous dérangeons pas. Vous êtes avec votre médecin ? Oui, je vous présente le docteur Ruben Fisher. Votre visite m'intrigue, monsieur Holmes. Je suis touché. Je ne voudrais surtout pas contrarier un patient. Lord Marsh, permettez-moi de vous dire combien j'admire vos efforts en faveur des pauvres de Londres. Ah oui, c'est une guerre que nous devons mener dans nos rues. Et maintenant depuis chez moi. Vous avez sûrement remarqué ces sacs remplis d'objets, de vêtements et de livres pour les nécessiteux. C'est admirable.
Moi-même, je m'efforce également de venir en aide aux plus démunis, à mon humble niveau. Je pensais que vous auriez peut-être besoin d'assistance. Eh bien, pourquoi pas? Je reçois déjà l'aide inestimable du docteur Fisher, qui est aussi mon médecin. C'est étrange. Votre visage m'est familier, docteur. Curieusement, il m'évoque Whitechapel. Quel sens de l'observation. C'est vrai. Croyez-le ou non, il m'arrive de fréquenter les pubs de ce quartier. Pas pour boire, bien sûr. Je me déguise en ouvrier pour approcher les gens et leur demander s'ils seraient intéressés par un travail spécial. Un travail spécial? Puis-je savoir de quoi il s'agit? Bien sûr. Lorsque Lord Marsh a créé son programme spécial d'éducation en 1889, il a compris que ces gens ont avant tout besoin d'un emploi. Alors, avec ou sans éducation, nous leur proposons de travailler avec Lord Marsh. Une chance pour les plus modestes de faire de Londres un endroit où il fait bon vivre. C'est remarquable. N'est-ce pas? Pour comprendre le monde, il faut être un visionnaire et un humaniste. C'est la philosophie de Lord Marsh depuis toujours. Oh, le docteur Fisher et son goût du romanesque. Enfin, passons. Pardonnez-moi, Lord Marsh, mais vous êtes très pâle. Puis-je vous offrir l'aide du docteur Watson? C'est gentil à vous, mais je pense pouvoir procurer à Lord Marsh les soins que son état requiert. Depuis quand êtes-vous malade, Mylord? Je vais bien, docteur Watson. Ce n'est qu'une vilaine grippe. Je serai sur pied dans quelques jours. Je me sens déjà mieux. Que voulez-vous dire? Peu importe. Je suis désolé, je comprends pas ce truc d'objection à chaque fois. Peut-être que j'ai mis le jeu en difficile et que en facile ça m'est expliqué. Malgré mon rang, oui, je partage ma demeure avec ces... Ok. Des provisions pour les indigents de Whitechapel. Très bien. Lord Marsh, pendant une partie de chasse avec ses amis. Ah, mes chers camarades, Lord Collins et Lord Harrington. Si cette satanée maladie ne me retenait pas, je serais en compagnie de ces vauriens. Chaque chose en son temps, my lord. My lord. My tailor is rich. And my flowers are beautiful. Trois orphelins ont eu accès à des études de médecine. Grâce à Lord Marsh et au programme spécial d'éducation, bien des pauvres pourront avoir une deuxième chance. Ai-je tout vu? Oui, là oui. Ah mais c'est le... J'ai déjà vu ce truc là. Ça me dit quelque chose. Bon bah il y a une plante. Attends, j'ai oublié quelque chose. Il me semble que j'ai oublié quelque chose, il y a le R1. Divers papiers. Et bah voilà. Mais pourquoi c'était pas affiché ça? Tiens tiens. Oui, je les perds. Cher Lord, voici la liste des participants sélectionnés. Non, programme social d'éducation d'octobre, cet événement, j'ai très hâte d'y être. Oui. John Strawbridge. J'ai déjà vu ce nom. Il figurait sur l'avis de recherche. Il a disparu. Ça va, j'ai eu le pif. Lord Marsh, avez-vous une idée du nombre de personnes dont vous avez changé l'existence? Oh, vous exagérez, monsieur Holmes. Mais il est vrai que ces gens sont devenus comme ma famille. Une famille très nombreuse, j'imagine. Oui, la liste serait plus longue que n'importe laquelle de vos nouvelles. Mais je ne saurais vous dire combien. C'est Fisher qui tient les comptes. Est-il possible de voir cette liste? J'ai bien peur que ce soit impossible. C'est confidentiel. Je ne peux pas transiger sur ce point, monsieur Holmes. Je comprends. Nous ne manquerons pas de faire un don à votre programme d'éducation. Je vais vous laisser à vos œuvres à présent. Merci et bonne continuation, monsieur. Pareillement, monsieur Holmes. Je trouve que la tenue lui va bien. Je n'ai jamais vu autant de dons pour les pauvres. Et encore moins chez un lord. Mais moi non plus. Je suis intrigué par ce programme spécial d'éducation. Je suis un... D'accord. Chut, tais-toi. Qu'est-ce qu'on peut fouiller ensuite? Je me balade chez le mec, sans souci. Et sans sourciller. C'est fermé, d'accord. C'est déconnecté.
C'est fermé. Très bien. J'ai passé le jeu en mode facile. Alors, vous m'en voudrez pas, hein, mais je pense que c'est ce qu'il faut au minimum au début, parce que je suis pas... Lord Marsh aide même les hôpitaux. Je suis pas coutumier de la série. J'avoue que j'ai acheté celui-ci parce qu'il était à 2€. Et d'autant plus que j'avais vu qu'une suite sortirait dans pas trop longtemps. Lord Marsh a une conviction. Aider les nécessiteux. Les nécessiteux. Bon bah on s'en va. J'ai bien l'impression. Attends. Ouais. Un baromètre. C'est bel et bien ce qui me semblait. Logement, c'est ça? Oui, c'est ça. Déduction. Oh là, relier les indices pour formuler une déduction. Le rouge indique une combinaison impossible. Donc le travail spécial. Non. Le club Quatermain. 3 semaines. Ses amis font partie de... Non. D'accord, j'ai foutu. Choisissez parmi les deux interprétations possibles et observez les conséquences. Vous pouvez revenir à tout moment sur votre choix. Qu'est-ce que c'est que ça? Une synapse? Aucun lien. Il n'existe aucun lien entre le travail spécial dont a parlé George. Lien. Il existe un lien entre le travail spécial de George et le programme spécial d'éducation. Je sais pas. Aucun lien entre le travail spécial. Je dirais qu'il n'y a pas de lien. Et... Ah, d'accord, c'est une arborescence en fait. Indice. Oui. Si je fais ça. Relais les deux indices pour formuler la déduction. Refus. On a marre, le docteur, on a refusé. Très spécial. Non, ça. Non, d'accord. D'accord, le refus, il va avec rien. Le club, ça va peut-être avec les disparitions, tu penses? Non. Ok, bah... Merde. Il est bloqué derrière l'autre. Voilà. C'est bizarre. C'est bizarre. Bon, on va continuer quand même. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Ah oui, ça a eu le temps de charger en attendant. Ça, c'est cool. Je peux faire mes recherches et le chargement ne s'interrompt pas. C'est plutôt positif. De retour dans la maison du petit homme. Littéralement. Monsieur Holmes, vous avez des nouvelles de mon père? Tom, pas si vite. Dis-moi, mon garçon, as-tu déjà entendu ton père parler d'un programme spécial d'éducation? Un programme d'éducation? Non, monsieur. Il a parlé que d'un travail spécial. D'où vient cette boîte, Tom? Oh, je viens de la trouver, monsieur Holmes. Elle était bien cachée. Je me demande bien pourquoi. Beau travail. Ça pourrait nous être très utile. Tiens, je vole tout. Mais j'ai déjà vu ce truc. Hein. Wolfjack, on dirait un insigne militaire. J'ai déjà vu ça sur la veste du médecin. Un écouvillon pour nettoyer les fusils. Ah, j'appelais ça un goupillon. Et ça? Cette huile peut aussi être employée pour l'entretien d'une arme. Tom, est-ce que ton père a un fusil? Un fusil? Non, il me l'aurait montré. Et moi, je suis sûr que non. Je dois trouver ce fusil. J'espère que vous trouverez mon père. Eh oui. Un seau. Un liquide épais. De l'huile. Tiens. Des taches. Ce morceau de tissu a servi à huiler une arme. Tiens, Tom, tiens. Est-ce que ton père dispose d'un autre logement? Non. Enfin, je ne crois pas. J'ai besoin de Toby. Je vais lui faire sentir l'huile et on retrouvera ce fusil. Alors, le chien... Ah, beau gosse. Allons, Toby. Il est temps de gagner ta pitance. Watson? Je préfère rendre visite à Lord Marsh.
Son état de santé m'inquiète. Est-ce que ce chien... Je préfère rendre visite à Lord Marsh. Son état de santé m'inquiète. Cherche, Toby, cherche. Oui, je joue le chien. J'étais sûr que c'était dans une cave. Il y a rien de plus discret. À moins que ce soit une maison. Merci pour cette cinématique. La tanière de l'ermite, j'ai un trophée. Y'a quelqu'un ? Oh, ça va. Une photo de Tom. Ah oui. Essayons d'entrer. Le mec, il a carrément des... Est-ce qu'il va vendre son enfant ? Insérer un ou plusieurs crochets pour soulever la ou les lames. Comment ça ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Oui ? D'accord, faut faire en fonction de la hauteur. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais il y a tellement de systèmes de crochetage dans les jeux que... C'est assez difficile. Tiens, tiens. Cher George. Ou plutôt George. Comme je te comprends, et quelle tristesse. Tout comme moi, tout comme toi, je ne trouve pas le moindre travail, même pour quelques heures. Mes enfants n'ont rien à manger. Quand j'essaie de trouver quelque chose, les patrons disent qu'ils ne veulent pas d'infirmes. Nos mérites militaires ne signifient rien. Notre pays s'est servi de nous pour la guerre et nous a abandonnés ensuite. Personne ne s'en soucie. Ton ami Jack. Tiens, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Il fume? Ah non, c'est pour... Ouais, ouais. C'est un truc de fusil, ça. C'est des balles. Cette boîte devait être pleine de cartouches. Et voilà des cartouches. Excusez, hein, monsieur Holmes. J'ai fait une petite mistake. Ordre royal. Au nom de Sa Majesté la Reine Victoria, souveraine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande, je sous-signe Frédéric Russell Burnham, major de l'armée britannique, déclare « La nation fait état de sa gratitude envers George Hust, honorable soldat du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande, pour sa vaillance au cours de son service militaire. L'armée britannique lui décerne la présente médaille de conduite distinguée et le démobilise en raison de ses blessures subies au combat. Major Frederick Russell Burnham. » Tiens, tiens, c'était un militaire. Il a donc appris à tirer. Et rappelez-vous, dans la première cinématique du premier épisode, on se fait tirer dessus avec un fusil de chasse. Qui semblerait pourtant ne pas être du même calibre. Mon cher Tom, si tu lis cette lettre, c'est que je suis mort. Je suis navré que les choses en soient arrivées là, mais sache que je n'avais pas le choix. Tu es un garçon brillant et je suis très fier de toi. J'espère qu'un jour tu comprendras et tu pourras me pardonner. Mon fils, je t'aime de tout mon cœur. Garde espoir, tâche d'être heureux, car un jour tu deviendras un homme, et plutôt que tu ne le penses. Tu ne seras pas seul. Ta maman et moi, nous veillerons sur toi depuis les cieux. Ton père qui t'aime. C'est triste. C'est triste et à la fois... Comparons cette liste avec les éléments déjà découverts. Tiens, faisons ça. C'est la liste des participants retenus pour le programme spécial d'éducation d'octobre. D'après cet avis, John Strawbridge a disparu. Comparons les noms de la liste de Marsh avec ceux de la liste de Hurst. Ah d'accord, c'est les noms à droite ou à gauche ? Daniel Jones. D'accord, c'est tous les Daniels ici. Il y a Patrick. Ce nom apparaît dans les deux documents. On a Reginald.
Ok, ça m'a l'air tout. William Thatcher. William Thatcher. Thomas Kelly. Thomas Kelly. John Strawbridge. John Strawbridge. Tous les noms sur la liste de marche apparaissent marqués d'une croix et d'une date dans les papiers de George Hurst. J'ai pas vu à quoi correspondaient les groupes, par contre. Ah d'accord, les groupes ont pas trop de liens entre eux. Je m'attendais à vraiment un truc qui les reliait, pour le coup. Des coupures de presse sur les lords et le programme d'éducation. Que font-elles ici ? Lord Marsh ainsi que ses amis Lord Harrington et Lord Collins sont des fondateurs du programme spécial d'éducation aidant les pauvres à se bâtir une meilleure vie et un avenir plus radieux. Ces trois gentlemen rendent fier le service, rendre un fier service à notre société en proie à bien des difficultés. Ah non, il y a une carte. Bien joué, Monsieur Holmes. Epping une carte Forest. De la forêt d'Epping. Le porte-manteau. Il y avait quelque chose sur ce support. Un fusil. Il y avait un fusil ici. George Hurst l'a emporté. D'accord. Alors. Préparatif pour le travail spécial. Violence. Le travail spécial de George est sans doute de nature violente puisqu'il sert un fusil. Ensuite. Coupure de presse à propos du programme. Ouais, pas mal ça. George s'était intéressé par le programme d'éducation, mais rien de plus. George a rassemblé des informations sur les pauvres de l'ordre. Vos déductions sont devenues rouges car elles sont contradictoires. Pardonnez-moi, je l'ignorais. Nickel! Et ça, qu'est-ce que c'est? Simple intérêt, Georges ne faisait que s'intéresser au programme de spécial d'éducation et sa disparition n'a aucun lien avec le programme mené par Lord March. D'accord, ça j'ai pas le choix. Et ça, si je mets l'autre... Pardon. Non. Ah. Et les deux vont se rejoindre. Hurst est mort. Alors, Monsieur Hurst savait qu'il mourrait au cours d'un travail spécial qui n'avait aucun lien avec le programme spécial d'éducation de... Dire la vérité, détruire les illusions au sujet de Joseph Dratom a oublié son père et à prendre en main pour une meilleure vie. Aura sans doute beaucoup de mal à accepter la vérité. Il vaut mieux ne pas détruire l'amour qu'il ressent pour son père. Oh, c'est compliqué, hein. Je dis la vérité. Putain, j'ai l'impression d'être dans un jeu Telltale. C'est angoissant. Monsieur Holmes. Tom, je suis désolé. J'ai de mauvaises nouvelles. Mon père... Il ne reviendra pas, Tom. Il est mort. Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir sans lui? Tu es un grand garçon, Tom. Et je t'aiderai. Merci, Monsieur Holmes. Je sais que tu sais lire. La femme du juge Coutts Beckett, que je connais depuis l'affaire du testament, acceptera de te prendre dans son école. Je m'en occupe. En proie au doute, George savait qu'il mourrait au cours de... Dire la vérité, indice trouvé, 10. Rejouer la fin, classer l'affaire, vérifier la conclusion. Bah non, on va pas la vérifier. Attention, en terminant ce cas, vous effacerez... Choisir un nom pour essayer de trouver une fin. Une autre fin, oui, si votre choix vous convient. Que vous êtes prêt à... Bah, je sais pas, moi. Mets la pression, ce truc. Tu me mets la pression, le jeu. Le chasseur devient la proie. J'ai eu un trophée, qui est peut-être un indice pour quelque chose. Wait!
esquive, Watson. Holmes, vous jouez aux boules à l'intérieur? Non, pas aux boules, Watson. Aux boules un grain. Vous êtes sérieux? Avec votre blessure? Oh non, Madame Hudson va vous tuer. Victoire par KO. Il est temps de partir. Voulez-vous m'accompagner? Vous êtes incorrigible. Et où allons-nous, Holmes? Vous apprendrez que je participe à la finale du tournoi annuel organisé par le club de Boulingrin de l'Institut archéologique de Londres. C'est une invitation officielle. Le temps de me changer et nous y allons. En tout cas, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. On commencera l'enquête numéro 2 dans la suite. Hein. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette première enquête, si j'ai bien géré ou pas du tout. Hein. Moi, je vous dis à la prochaine pour la suite. Et abonnez-vous pour ne pas la rater, bien entendu. J'ai failli oublier ma petite catchphrase à la fin. Moi, je vous dis au revoir et à très très vite. Ciao.